Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien! Alors c'est notre avant-dernier choupartiste papier. Vous vous rendez compte? Je n'ai plus rien après. Enfin, s'il me reste un gros colis. J'ai hésité entre faire le gros colis ou celui-là aujourd'hui, mais on fera le gros colis la semaine prochaine du coup. Et après, je n'ai plus rien. Mais ça tombe très bien puisque normalement, on est déconfiné partiellement le 11 mai. Donc, je retournerai à la boîte postale d'ici là, hein? Donc on espère avoir plein de nouveaux choupartistes à ce moment-là. Mais en attendant, en tout cas, j'approche de la fin de mon stock. Il m'en reste deux, dont celui-là. Alors celui-ci, il m'a rappelé un ancien que j'ai reçu niveau présentation, une pochette qui était peinte également. J'ai cru que c'était la même personne, mais apparemment pas. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est sublime. Et je crois me rappeler qu'effectivement, après avoir reçu le choupartiste où c'était peint comme ça, il y a quelqu'un qui avait dit en commentaire « Oh mince, je t'avais préparé une pochette peinte aussi, mais du coup je dois l'acheter. » Je dis « Bah non, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas obligé de dessiner des trucs foncièrement différents. Enfin, genre, il y a pas de mal, tu vois. » Donc du coup, nous avons un choupartiste qui s'annonce absolument superbe. Bah, écoute, on avait déjà le bonus qui est là. Avec une magnifique létrouille. Voyons cela. Alors je précise que je tourne sur ma table basse, donc je suis en équilibre de ouf. Regardez, il y a ma télé avec Disney+, qui est juste là. Parce que dès que j'ai fini le tournage, je me regarde un petit film en faisant mon puzzle. C'est pour ça que je suis déjà prête. Mais du coup voilà, si vous m'entendez un peu différemment, ou si je me casse la gueule à un moment, vous saurez pourquoi. Du coup voilà, c'était une parenthèse. Hein. Les trouilles, je viens de me rendre compte qu'il manque un T. Ah, c'est ballot, c'est des choses qui arrivent même au meilleur. Hein. Bonjour Thibaut, comment ça va? Oui, très bien. Moi, en tout cas, j'étais tellement excitée quand j'ai reçu ta réponse par mail pour me réserver un créneau que je me suis mise à faire ce colis dès la réception. Oh, ça c'est bien. Je rappelle que pour les choupartistes, si vous voulez m'en envoyer un comme ça, quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a une boîte postale, le lien est dans la description, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez par la poste, à part des briques, hein, s'il vous plaît, parce que je ramène vos courriers à pied, hein, que j'ai 20 minutes de marche, donc voilà, et c'est en tête. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit, mais si vous avez un projet un peu construit et que vous voulez être sûr de passer en vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse thibautartiste@gmail.com en précisant un peu votre projet, ce que vous avez déjà fait par le passé dans vos dessins personnels ou vos créations personnelles, pas forcément dessins, et je vous répondrai oui ou non en fonction de si j'arrive à me projeter ou pas. Voilà, évidemment, si je vous réponds non, vous pouvez quand même me l'envoyer, il passera peut-être en vidéo. C'est juste que quand je vous confirme par mail, c'est certain qu'il passera. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais ça fait longtemps que je l'ai pas rappelé, hein. Puis bientôt, la boîte postale va rouvrir. Enfin, je crois qu'elle est pas fermée, mais j'ai un peu peur de ce qui m'attend quand j'y retournerai. Mais bref. Du coup, j'ai passé environ un mois dessus et j'y ai mis tout mon cœur afin que ça te plaise tout en me ressemblant. J'ai aussi varié le plus les techniques pour progresser un maximum. C'est très bien, on est tous fiers de toi. Je m'appelle Angel, je suis actuellement en seconde et j'ai 15 ans. Enfin, peut-être plus au moment où tu dis ceci, mais on va dire que si. J'ai commencé le dessin toute petite, depuis que je sais tenir un crayon, à vrai dire. Mais j'ai vraiment accéléré la cadence autour de mon année de 5e, celle où j'ai rencontré ma meilleure amie, McQueen, si tu passes par là. McQueen, 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 je ne sais pas, je suis désolée, je dois moins... Mawin, peut-être. Je dois mal prononcer le nom de ton amie, je suis navrée. Et qui m'a énormément encouragée, ça c'est une bonne meilleure amie. Mon rêve est depuis longtemps de devenir illustratrice. Au collège, je voulais être mangaka, mais ça reste dans le même thème. Tu me donnes une grande opportunité en me permettant de montrer mes dessins sur ta chaîne, alors un grand merci, vraiment. De plus, si tu as des conseils à me donner pour m'améliorer, je suis preneuse. Alors moi, je vais pas en avoir 3 tonnes, hein, je te le dis tout de suite, vu que je n'ai pas un skill en dessin incroyable, mais sans doute que d'autres choupchoups pourront t'aider si tu as besoin. Je suis aussi une grande fan de la culture japonaise, donc les mangas, animés, cosplays, sushi, etc. J'aime bien sushi, oh, n'oublie pas la bouffe, hein. Et la culture coréenne, en particulier la K-pop. Je ne sais pas si j'en ai déjà écouté, mais moi j'adore les groupes ATEEZ, VIX et BTS. Alors je connais BTS forcément parce que bah, je vous écoute, hein, donc vous m'en parlez énormément. J'ai déjà écouté, j'aime bien. Je connais aussi Blackpink et ceux qui font Bang Bang Bang, ouais, Bing Bang je crois que ça s'appelle. Voilà. Mais sinon ma connaissance est assez menue. Hein. Pour revenir à mon choupartiste, il n'y a pas de menu car tout est dans l'ordre, donc pas possible de se mélanger. Il est composé de 15 dessins avec chacun une description et un indice. Et pour finir, un petit bonus. J'avoue que cela fait assez peu de temps que je te suis, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai pu découvrir sur ta chaîne. Continue tes vidéos, elles donnent le sourire et je trouve leur contenu très intéressant, surtout les choupartistes qui m'ont permis de découvrir plein d'apprentis artistes comme moi. Oh, c'est trop mignon. PS, je suis très attachée à mes dessins, alors j'aimerais si possible les récupérer une fois que tu les auras vus. Ah! Ah, ça plus chiant déjà. Ah oui, tu peux garder la pochette avec les bonus et le dessin 7 fait exprès pour toi. Il y a une chemise à la fin qui te permettra de me les renvoyer. Mon adresse est tout en bas, comme ça tu pourras t'en occuper après. Il y a déjà une enveloppe pour le retour. Voilou, bonne choupartiste, mon compte Instagram. Alors, déjà j'ai eu de la mauvaise nouvelle. Attends, bah, je vais te montrer directement. Parce qu'en fait, effectivement, je comprenais pas pourquoi il y a une enveloppe dedans. Mais alors, voici l'enveloppe dans laquelle c'était reçu, voici l'enveloppe qui était dedans, et Merlin est passé par là, n'est-ce pas? Cela dit, l'enveloppe n'a pas de timbre. Enfin, ça va être compliqué que je te renvoie à mes frais les dessins. C'est-à-dire que si tout le monde faisait ça, déjà que j'ai beaucoup de mal à m'organiser au niveau de la poste, à envoyer les cadeaux pour la loterie, à répondre, etc.
C'est compliqué, donc il faudra qu'on voit ça en privé toutes les deux avec mon Instagram, parce que là, déjà, j'ai plus d'enveloppe. Mais ça, j'en ai d'autres des grandes, donc c'est pas un problème. Mais de manière générale, ne faites pas ça. Envoyez plutôt des photocopies dans ce cas-là de vos dessins, parce que clairement, je peux pas m'occuper de ça en plus de tout mon taf, quoi. Donc voilà, pour éventuellement, si vous avez des dessins que vous adorez, ce que je comprends tout à fait, faites-en des photocopies. Là, du coup, c'est bien embêtant cette histoire, donc on en parlera toutes les deux. Pas de panique. Donc Nisso Art, eh ben écoute, on verra ton Instagram après. Alors de toute façon, je viens de voir que tu as mis ton adresse postale juste en bas, au cas où si je l'ai montré en tournant la feuille, je mettrai un smiley pour cacher. Tu as oublié de mettre ton nom et ton prénom. Donc de toute façon, là comme ça, je ne peux pas te le renvoyer. Donc il faudra vraiment qu'on discute. Mais ne faites pas ça, hein, vraiment. C'est pas une bonne idée du tout. Alors voyons cela. On va quand même le découvrir, évidemment. Hein, ça ne change rien. C'est juste que il y a cafouillage, mais ça arrive au meilleur. Hein. Voilà le premier dessin, je l'ai fait au crayon de couleur. Je te conseille de cacher les deux moitiés du dessin tour à tour pour bien voir la différence entre les deux parties. Indice, Sébastien. Déjà, le Sébastien est magnifique. Hein. Voyons, voyons. Est-ce que je peux éviter d'avoir à ouvrir les pochettes? Je peux faire coulisser? Oui, magnifique. Crayonné le 27 janvier, coloré le 28 janvier. Ça va, ça date de cette année, je suis pas tant à la bourre. Hein. Par contre, comment je fais pour montrer une partie et pas l'autre? J'ai pas compris ce que j'étais censée cacher. Nous avons donc une magnifique Ariel. Regardez comme elle est belle. Ah oui, d'accord, ok. C'est... Ah oui, mais c'est pas possible. Je peux pas... En fait, il y a une partie humaine et une partie sirène. Mais j'ai pas la main assez grande, meuf. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, il faudrait que je mette mes deux mains. Et dans ce cas-là, comment je tire la feuille? Non, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a une partie humaine, une partie sirène. C'est très, très beau. Ce dessin est superbe. Je comprends, mais après, je comprends tout à fait que tu veuilles les récupérer. Et on va faire en sorte que tu les récupères. C'est juste, faites pas ça, quoi. Numéro 2. Celui-là est aussi fait au crayon de couleur, cependant les contours sont au feutre noir fin et non au stabilo de couleur. C'est une bonne précision. Est-ce que ça aurait un rapport avec La Belle et la Bête, du coup? En toute logique, je dirais que oui. Oh, elle est belle. T'es super douée, meuf. C'est magnifique. Il est magnifique. Je l'adore. Trop, trop beau. Putain, tu coloris bien. Regarde la peau. La peau, on dirait que c'est une photo, quoi. On dirait que c'est fait à l'ordi. C'est sublime. Faut que je prenne des cours quand même niveau coloriage, hein, parce que je suis moins mauvaise qu'avant. Hein. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu mes derniers coloriages, franchement c'est propre. Hein. Mais là, il n'y a pas le même niveau quand même. Hein. Magnifique. Numéro 3. Ce dessin est celui que je trouve le moins réussi de tout le Choupartiste, car je l'ai fait sur un logiciel de dessin, et dessiner avec les doigts n'est pas très facile. Ah bah t'as pas de stylet? Ah bah oui, forcément. De plus, c'est mon premier dessin sur une surface numérique, alors il est pas top, mais bon. Au miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Donc je suppose que c'est ou Blanche-Neige ou la méchante reine. Vu la réplique, ça devrait être la méchante reine, mais... Waouh, meuf, c'est ton premier dessin en numérique. Eh ben, faut que tu persévères, hein, parce que c'est incroyable. Le skill est ouf. Alors je suppose que celui-là, faut pas te le renvoyer. De toute façon, on verra ça ensemble, hein, parce que là, ça me paraît très bizarre, parce que tu as dû l'imprimer, donc... Mais il est très très beau. Pour un premier dessin numérique, c'est bluffant. Et au doigt, en plus, s'il te plaît. Normalement, faut tellement de détails et tout. Tout le monde a un stylet, tu vois. Maintenant, elle l'a fait au doigt, au talon. Oh, c'est stylé. Tu es douée. Numéro 4. Tadam! Je suis très contente de celui-ci. J'espère qu'il va te plaire. Il a été fait avec de l'aquarelle et beaucoup de patience. Oh, Malef. Regardez comme c'est beau. Mais même les dessins en bas, ils sont trop réussis, quoi. Est-ce que ce serait Malef? Est-ce que ce serait Malef? Ah, mais faut pas que je m'y attache, de toute façon, vu que je peux pas le garder. Oh, il est beau. C'est Aurore. Oh, il est magnifique. Il est absolument magnifique. Bon, tu l'as fait dans sa robe rose. C'est pas ma couleur préférée. Je la préfère en robe bleue. Mais le rendu est tellement beau que je te pardonne. En plus, ça va trop bien avec la pochette. Non, il est superbe. Vraiment très, très beau, meuf. J'adore. Très, très beau. Numéro 5. Wow. Ok. Alors, celui-là est sans doute l'un de mes préférés car il représente mes trois chanteurs favoris du monde de la K-pop. Un de chaque groupe que j'ai cité dans la lettrouille. Ah. Bon, bah alors là, c'est vous qui allez les reconnaître, hein. Bon, du coup, les indices seront plus pour les choups-choups que pour toi, et le nom de scène de chacun d'entre eux est écrit au dos du dessin dans la couleur correspondante. Alors, est-ce que vous allez trouver? Vous direz en commentaire, hein. Je suis le chanteur ayant la voix la plus grave du groupe, qui est actuellement le plus connu au niveau international. Bon, ça, je pense que c'est BTS, hein. Je fais partie d'un groupe ayant débuté il y a peu, de 8 membres. Je suis l'un des chanteurs principaux, et ma voix est assez aiguë. Bon, là, ça me dit pas du tout. Je suis le plus âgé après le leader de mon groupe, ayant débuté en 2012 avec Jellyfish Entertainment. Mon nom de scène est aussi un prénom français. Putain, j'ai l'impression d'avoir Fort Boyard avec Père Foura, sauf que j'ai aucune chance de gagner. Alors du coup, on a les réponses derrière. BTS, San Atiz et Leovix. Est-ce que vous aviez bon? Combien de points vous avez eu? Et voyons leur tête. Oh là là. Alors là, ça queen. Non mais là, je sais que vous queenez. Je sais. Je vous laisse. Non mais je vous laisse quelques secondes pour vous remettre. Respirez. Vous pouvez le faire. Ça va.
Non, ils sont très beaux. J'avoue que... surtout lui. Lui, j'aime beaucoup. Je sais pas. C'est lequel, du coup, le violet ? Sanatise. Ah bah... Très sympa, Sanatise. Je sympathise beaucoup. Numéro 6. J'ai galéré sur celui-là avec mes feutres à alcool car la feuille n'est pas adaptée et j'ai épuisé beaucoup de couleurs dont la... Donc la peau est blanche. Au final, mon dessin est pas trop mal, je trouve. Bon, je te laisse avec l'indice. Poudine, ah, c'est Harley Quinn. Harley Quinn ou le Joker? Mais normalement, c'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn qui appelle le Joker comme ça. Oui, on la voit. Oh, elle est magnifique. Waouh, meuf, t'es trop douée. Il est sublissime. Regarde, alors attends, je vous montre un peu plus près pour que vous voyez bien les tatouages. En plus, ça les a fait à l'envers. Avec le petit sweat. Je l'ai, ce sweat-là, d'ailleurs. J'ai jamais porté, quasiment. Et voilà, la tête. Elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Numéro 7. J'ai rien à dire sur celui-là, donc indice You. You moi? Ou You, genre la série Netflix. J'espère pas la série Netflix. Hein. Celui-là, je te le renverrai sans problème, sinon. Hein. Oh, c'est moi. Ah oui, celui-là, c'est celui que je peux garder. Oui, c'est le numéro 7. Oh, regardez comme je suis mignonne. Un jour, j'aurai cette robe. Un jour, j'aurai la robe bleue d'Ariel. Je me battrai sans répit. Oh, je suis trop belle. Je suis trop mignonne. Tu dessines trop bien. T'es si jeune en plus, à 15 ans, c'est fou. Vous êtes si doués, mes agneaux. Alors attends, je vais le mettre de côté, de l'autre côté pour pas que je le rajoute dans l'enveloppe. Numéro 8. Yes, enfin le 8e. Désolée pour la faute. Dessin fait à l'aquarelle et au Posca argenté et doré. Il est vraiment trop cute. Indice, le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Alors je dirais ou le Chapelier ou le Chat Cheshire. Je pense, parce que le truc impossible et tout, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles à fond. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Oh, j'adore. Regarde le doré comme il brille. Oh, il est superbe. Le bleu, oh, les yeux aussi, j'avais pas vu. Oh, les yeux, ça rend trop bien, on dirait qu'ils sont cousus. Oh, c'est trop stylé. Numéro 9, petit dessin dans un format carré au crayon. Je crois que c'est le dessin qui m'a pris le moins de temps, mais je l'aime bien quand même. Bah, t'as bien raison. Attends, le temps, ça veut rien dire, hein. Ça peut être bref et intense. Oh, sortez pas ça de son contexte, bande de dégueux. Oh, les évolutions. C'est qui votre évolution préférée? Moi, j'aime beaucoup Philali. Mais après, ils sont tous cute, hein, en vrai. Philali et Piroli, je pense, c'est les miens. C'est eux, pour ceux qui se demandent. Attends, je vais vous dire les noms pour ceux qui connaissent pas. Donc, Evoli, Aquali, Mantali, Givrali, Noctali, Voltali, Nymphali, Piroli, Philali. Je me suis gourée quelque part. Non, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que j'ai dit, lui, Nymphali? Oui, non, c'est ça, c'est bon. Eh, quand même, hein, la mémoire, ça reste, hein, si je me suis pas gourée. Normalement, non, mais comme j'ai parlé vite, c'est possible. Il est superbe, ton dessin. J'aime beaucoup. Numéro 10. Juste après le dessin le plus rapide, voici le plus long. Il n'y aura pas d'indice pour celui-là, même pour les choup-choup, car je vais vous dire de quoi il s'agit. Oh. Alors, ce dessin représente Jay du groupe coréen Icon, que j'affectionne particulièrement car c'est le premier que j'ai connu, et donc celui qui m'a fait découvrir cet univers que j'ai littéralement adopté. Je l'ai réalisé avec des crayons, oui encore, je te laisse découvrir tout ça. Avec grand plaisir. Tu es super douée, Bichette. Je suis très impressionnée. Oh. Attends, on dirait une photo. Ah, ça queen encore, pardon, je vous ai pas laissé les quelques secondes pour vous remettre. Non mais allez-y, je comprends. Même moi, ça m'a... Waouh. Alors que je le connais pas, tu vois, c'est... Il est incroyable. C'est... Waouh. On dirait une photo. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose à travers l'écran. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est découpé d'un magazine et collé. Alors que non, pas du tout, hein. On voit bien que c'est du dessin quand on s'approche, hein. Je vous le montre de plus près, mais il est incroyable. Il est incroyable, meuf. Je suis so choquée de là. Non, par contre, est-ce que j'ai pas du noir sur les mains? Oui, parce que quand on est du fond noir comme ça, à chaque fois, ça déteint. Il est incroyable. Je n'ai plus de mots. Numéro 11. On arrive bientôt à la fin. Non. Donc, le 11e et 12e dessin sont tous les deux des fanarts d'amour sucré. Mais maintenant, il va falloir trouver qui j'ai dessiné. Indice. Des gants de boxe et un crayon et gomme. Alors, crayon gomme, j'aurais dit Lisandre. Et gants de boxe, Castiel. Peut-être, mais il fait pas de boxe, Castiel. Ou alors, c'est moi qui ai oublié qu'il faisait de la boxe. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais tout faux. Ah oui, je pensais aux mecs. J'ai tellement l'habitude qu'on me dessine les mecs, j'ai pas pensé aux filles. Bah, bien sûr. Kim et Violette. Oh, ma Violette d'amour. Regarde comme elles sont mignonnes. Ils sont superbes. Absolument superbes. Oh, j'adore. Elles sont trop bien faites. Et les proportions sont super bien respectées. T'as même réussi les mains. GG. Ah, ils sont magnifiques. Et vous préférez qui entre Kim et Violette? Sur le dessin, je parle, hein, pas dans la vraie vie, parce que je sais que sinon tout le monde va choisir Violette d'amour. Mais dans le dessin, je saurais pas dire. Kim, j'aime beaucoup l'air qu'elle a. Il est magnifique, ce dessin, t'es trop forte. Numéro 12, donc du coup, j'ai déjà tout dit. je suppose que du coup, c'est Castiel. Alors, voyons.
Est-ce que c'est Castiel? Ah, sors de là, sors de là. Alors, la guitare, normalement, c'est Castiel. Oh! Embrasser Castiel-Ounet. Oh! Oui ou non? Bah, bien sûr! On n'allait pas dire non à l'époque. Ah non, parce qu'après, bon, ça se discute, mais... Oh, le dessin est trop mignon. Trop, trop chouki, quoi. J'aime beaucoup. Numéro 13. Alors, ce dessin, c'en est juste un que j'ai fait comme ça, et je me suis dit que j'allais l'intégrer au choupe artiste. Pas d'indice encore, car j'ai dessiné mon OC Moon, et je me vois mal essayer de vous la faire deviner. Effectivement, si c'est un OC, on risque d'avoir du mal. À part pour ceux qui le connaissent déjà, bien sûr. Oh, elle est superbe. J'adore ses cheveux, c'est surprenant. Non, elle est superbe, elle est vraiment très très belle. Elle a un petit côté Sailor Moon, je trouve. Ça doit être la lune. Non mais et puis le petit cheveu là qui... J'adore les épis comme ça. C'est mignon. Numéro 14. Kia, celui-là, je l'aime trop. Déjà, je l'ai fait sur une feuille noire et ça fait un moment que je voulais tenter. Et en plus, c'est mon UB, Ultimate Bias, que j'ai dessiné. Donc voilà. J'ai encore du mal avec Bias. Hein. Déjà, shippé, c'est bon, mais Bias, je connais pas trop. Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que tu mettes un extrait de musique en vidéo comme indice. La musique est écrite ci-dessous, mais les choup-choups ne doivent pas avoir le titre, sinon ça enlèverait le suspense. J'espère que ça ne te dérange pas. Alors, bah, tout simplement, je vais regarder moi ce que c'est. Ah, ça va être un problème. Alors, je suis désolée, je ne peux pas parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, hein. C'est, voilà. Inner Child de BTS. Je suis désolée, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais, encore une fois, c'est pas ma musique et on peut pas diffuser du contenu en vidéo qui ne nous appartient pas. Sinon, c'est considéré comme du vol. Et on a des petits problèmes après. Des fois, ils nous menacent de faire des procès, des trucs sympathiques comme ça. Alors, ensuite, nous avons donc. Oh la vache. Ah bah en même temps, vous étiez prévenu. Non mais là, elle vous a prévenu avec l'indice. En plus, j'ai montré, j'ai été sympa. Allez-y, allez-y, allez-y. Non mais criez un bon coup, ça ira mieux après. Allez. Voilà, on respire doucement, on reprend son souffle. Voilà, non mais il est... Je connais pas le bonhomme, mais c'est sublime. Tu vas avoir des centaines d'abonnés, c'est sûr. Toutes les fans de K-pop, elles vont arriver. Numéro 15, c'est la fin. Oui, mais le dernier dessin que je t'ai préparé transmet un message d'amour et de bonheur. Il est parfait pour terminer sur une bonne note. Lui aussi a été fait à l'aquarelle. J'espère que mon choupartiste t'aura plu. Indice et... Non, il n'y en a pas. Ton choupartiste m'a énormément plu, meuf, évidemment. Et nous avons... Oh, c'est trop mignon. Oh, ce fil rouge. Oh, c'est très très beau. Que c'est très beau, comme quoi l'amour, hein, ça surmonte tous les problèmes. Il est magnifique ce dessin. Il va très bien avec ton fond, encore une fois. Je sais pas si t'as fait exprès, non je pense pas, parce qu'en général j'enlève les fonds. Mais t'as fait plusieurs dessins qui vont super bien avec. Et en bonus, qu'est-ce qu'on a? Oh, des petites choses. Oh, oh c'est cute. Regardez, Peter et Baymax. Oui. Bon bah écoutez, on va aller voir tout de suite sur Instagram, hein, j'ai envie de dire. Découvrons un petit peu cette bichette. Je l'ai trouvée sans aucune difficulté. Elle a donc 15 ans, ça confirme. Et elle a déjà 450 abonnés. Ça fait beaucoup d'abonnés. En même temps, est-ce que t'avais un petit peu ce skill? C'est trop trop beau, quoi. Je vais lui mettre plein de likes. Je vais quand même lui envoyer un MP, hein, pour préciser un petit peu pour cette adresse, pour l'enveloppe et tout ça. Parce que déjà, l'adresse est pas complète et tout ça, donc faut qu'on discute. Anna, remets-moi un like. Mais attends, non, mais regarde-moi ça, quoi. Oh, c'est ouf. Tu es trop douée. Oh là 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 là. Oh là, non mais je sais, il y en a tellement parmi vous qui queen. Oh non mais je comprends. Non mais je comprends. Je te dis, même moi je suis pas adepte du bordel et je trouve ça magnifique et j'ai envie de queener. Alors je les connais pas les gars, donc tu vois, je ne peux que comprendre, hein. Bah écoute, c'est absolument incroyable. Donc 450 abonnés, à combien sera-t-elle ce soir? Les paris sont ouverts. Faites une estimation en commentaire. Non, c'était absolument incroyable. Tu m'as fait un courrier de fou. Il y a totalement de toi à l'intérieur, c'est toi tout craché, en fait, tout simplement, c'est sublime. Et continue, quoi. Putain, t'as 15 ans, mais tu seras illustratrice, ça ne fait aucun doute. T'es extrêmement douée, ne lâche rien, meuf, ne lâche rien. Du coup, mes amours, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous aime très très fort. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, et bien sûr, en attendant de nous retrouver, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.